Bonjour, je m'appelle Jacqueline Higgins et je suis la directrice du Réseau Santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Réseau Santé travaille avec des partenaires communautaires, provinciaux et fédéraux pour essayer de mettre en place et d'améliorer les services de santé en français de la province pour nos communautés francophones et acadiennes. Notre première bailleur de fonds, c'est Santé Canada. On a plusieurs projets avec eux. Le premier projet, c'est notre projet en santé mentale. C'est un projet en collaboration avec les cliniques sans rendez-vous de Doorways de la région de Eastern Health, où on travaille actuellement la mise en place de services bilingues dans ces cliniques-là. Le deuxième projet, c'est notre projet de navigation en santé. Cette année, en collaboration avec Eastern Health, on a embauché une infirmière en tant que navigatrice des services de santé en français pour aider et appuyer les francophones à naviguer le système de santé et à obtenir des services et des ressources en français selon leurs besoins. Notre troisième projet avec Santé Canada, c'est Franco-Santé. En collaboration avec les instituts postsecondaires, on vise à outiller les étudiants et étudiantes francophones et francophiles des programmes reliés à la santé à pratiquer leur français, améliorer leurs compétences linguistiques pour éventuellement pouvoir offrir des services en français lorsqu'ils seront sur le marché du travail. Notre deuxième bailleur de fonds, c'est l'Agence Santé publique du Canada. On travaille un projet sur la petite enfance en collaboration avec des partenaires communautaires francophones pour présenter un plan de services communautaires qui vise à mettre en place des activités pour les familles, les parents et les enfants. Le dernier est un nouveau bailleur de fonds, c'est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. On travaille un projet immigration en santé pour essayer de rapprocher les professionnels de santé avec les secteurs d'immigration et d'établissement afin de mieux appuyer nos nouveaux arrivants. On a organisé une table ronde avec ses partenaires afin de discuter des besoins. Donc, on va continuer de travailler avec nos partenaires de la communauté et aussi au niveau provincial afin de continuer la mise en place de ces projets-là pour pouvoir établir des services plus durables et de bonne qualité pour nos communautés francophones et acadiennes.